Un silence, Madame la juge. De Tina, j'ai d'abord entendu un silence. On l'avait invitée à la radio un matin pour la promo de sa pièce. L'animateur venait de lui demander si le théâtre ne faisait que reproduire le réel ou s'il le transcendait pour atteindre une forme d'universel. Question à laquelle, en retour, on obtient le plus souvent qu'une réponse éculée. Pas le genre de Tina qui avait décidé d'y réfléchir vraiment. Comme si elle pesait intérieurement chacun de ses mots. Résultat, un blanc. Un long blanc que l'animateur a comblé comme il pouvait, en rappelant l'heure qu'il était. 9h17. Le nom de la station et celui de son invité, son âge. 28 ans. Sa profession. Comédienne. Le titre de la pièce. 2 jours et demi à Stuttgart. Dont elle partageait l'affiche et qui lui valait une nomination aux Molière. De la révélation féminine. Et enfin son sujet. L'ultime rencontre entre Verlaine et Rimbaud. Les 2 jours et demi qu'ils avaient passés ensemble à Stuttgart en février 1875. Avant de reformuler la question. Alors le théâtre, mimétisme ou mimésis? J'étais chez moi dans la salle de bain, la radio posée sur la machine à laver. Je me brossais les dents et je pouvais entendre distinctement le froufrou des brins de la brosse sur les mailles de mes dents. Je pouvais entendre s'écouler le mince filet d'eau et surtout, j'entendais les silences de Tina. Oui, j'entendais les silences de Tina et je songeais qu'il faudrait établir une typologie du silence. Les décrire, puis les classer, du silence suggestif au silence oppressant, du silence solennel au silence désolé, du silence monotone d'un coin de campagne en hiver, au silence pieux des fidèles à l'église, du silence éploré des chambres funéraires, au silence contemplatif des amants en clair de lune. Tous, il faudrait les décrire jusqu'au silence radiophonique de Tina. Ça a duré comme ça pendant 10 minutes, d'un silence quasi parfait, seulement interrompu par les questions de l'animateur qui les posait maintenant en s'excusant presque. Comme s'il était intimidé par les silences réflexifs de Tina, de longs silences inhabituels à la radio, et dont les relances de l'animateur ne faisaient que redoubler l'intensité. Elle m'avait d'abord intrigué, puis elle m'avait agacé. Elle semblait s'écouter ne rien dire comme d'autres s'écoutent parler. L'animateur a fini par lancer une chanson, Ton héritage de Benjamin Biolay. Je m'en souviens comme si c'était ce matin même, je l'entendais pour la première fois. Magnifique cette chanson. Les soirs de pluie, mon enfant, les ruelles de l'Italie et les pas des passants, l'éternelle litanie des feuilles mortes dans le vent qui pousse un dernier cri. Ça vous dit quelque chose? Bon. Toujours est-il qu'après la chanson de Biolay, Tina s'est mise à parler. Pas d'elle, pas de sa pièce, pas pour répondre aux questions de l'animateur. Non, non. Elle s'est mise à réciter des poèmes. Je l'avais trouvée tout à tout artificielle et sincère, poseuse puis touchante. Je ne savais pas à quoi m'en tenir, je ne savais pas si j'étais fasciné ou agacé ou les deux à la fois. Mais elle m'avait donné l'envie d'aller la voir, sa pièce. Il ne restait que quelques places de catégorie 4, à 38 euros et à visibilité réduite. Et j'ai pensé naïvement qu'elle serait partiellement réduite, la visibilité. Dérisoirement réduite. J'ai pensé qu'à ce prix, je pourrais voir au moins les 2/3 de la scène. Et même, pourquoi pas, en prenant la peine de me pencher un peu la scène tout entière. Or, ce que j'avais pris pour une mise en garde anodine était un euphémisme doublé d'une véritable escroquerie. Je me suis retrouvé sur un strapontin, derrière un poteau. Un pilier. Un pilier porteur, énorme, massif. Et sans doute que si vous le retiriez, ce pilier, c'était tout l'édifice qui s'écroulait sur lui-même. Et à ce moment-là, je peux vous dire, j'étais pas contre le voir s'écrouler sur les salauds qui me l'avaient vendu, cette place. Parce que j'avais beau me contorsionner, j'avais beau passer mon cou derrière celui de mon voisin, rien. Je n'ai rien vu de 2 jours et demi à Stuttgart. 38 balles. Et 70 balles d'ostéo pour le torticolis. Alors autant vous dire qu'en sortant de là, je l'avais mauvaise. Bon, d'accord, me direz-vous, ça ne m'avait pas empêché de tout entendre, de la première à la dernière réplique, celle authentique qu'a eue Verlaine en apprenant la mort de Rimbaud. Son souvenir est un soleil qui flambe en moi et ne veut pas s'éteindre.
Mais enfin, j'aurais quand même voulu la voir, cette pièce. Sensible et haletante. Selon le point. D'un réalisme sidérant. Le Monde. Porté par deux comédiennes au sommet de leur art. Télérama. Avec la jeune Lou Lampros, magistrale dans le rôle de Rimbaud. L'officiel des spectacles. Et la révélation de l'année dans celui de Verlaine. Elle, qui parlait donc de Tina. Il n'y avait eu d'avis mitigé que celui du Figaro. Un monument de verbiage à la scénographie sans grâce, à peine sauvé par sa distribution faussement audacieuse. Les deux poètes incarnés par des femmes, mais quelle idée. Phrase, hélas un peu trop longue, avait fait valoir les producteurs de la pièce pour figurer in extenso sur l'affiche, mais qu'on avait quand même tenu à reproduire patiemment. Un monument. C'était marqué comme ça en lettres capitales sur l'affiche à l'entrée du théâtre. Un monument. Et juste au-dessus, il y avait le nom de la pièce, et encore au-dessus, les visages des deux comédiennes, Lou et Tina, dos à dos. Et j'ignore pourquoi, mais j'ai été comme happé par le regard, par les yeux de Tina. Des yeux... Bah, que votre ami Vasco évoque dans un poème. Ah oui, faites voir. Mon insomnie continuelle, la zizanie perpétuelle, la symphonie habituelle de mes nuits, le verre inouï de tes yeux, et en plus, ils sont deux. Pas de doute. Ouais. Ce sont bien les yeux de Tina. Ils sont verts. Ils sont deux. Les yeux d'un vert, mon Dieu. Un vert propre à ses yeux. Des yeux verts de Tina. L'Amazonie vue du ciel, disait Vasco, avec un zeste de bleu. L'iris à la vigueur de la houle. Tout est grondement, roulement. Tohu-bohu perpétuel où se noie la pupille. Quand ma navire t'est maté par l'orage. Ricordi, sbocciavan le viole, con le nostre parole, non ci lasceremo mai, mai e poi mai. Vorrei dirti ora le stesse cose, ma come fan presto amore ad appassir le rose, così per noi l'amore che strappa i capelli. Non resta che qualche svogliata carezza e un po' di tenerezza. Quando ti troverai in mano quei fiori appassiti al sole d'un aprile ormai lontano, li rimpiangerai, ma sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato, per un amore nuovo. Ma per un amore nuovo.
Pardonnez-moi d'être cru, mais au début, j'ai bien cru que ça n'était que du cul, leur histoire. Mais j'avais tort. Ils s'aimaient. Disons plutôt qu'ils commençaient à éprouver l'un pour l'autre des sentiments analogues à ce qu'il est convenu d'appeler de l'amour. Mais l'assomption de l'amour passe inévitablement par les mots. Et ces mots-là, ils n'osaient se les dire. Cet amour-là, ils n'osaient se l'avouer. Ou s'ils se l'avouaient, ça n'était qu'à eux-mêmes. Informulé, leur amour restait inoffensif. Il n'était tout au plus qu'un bégaiement du cœur, un passe-temps comme un autre, fugace et frivole, ne prêtant pas à conséquence. Il valait mieux ne pas s'aimer, disait la chanson, qu'un jour ne plus s'aimer. Alors Tina s'en tenait à des formules assez vagues, euphémiques. Elle parlait de troubles ou d'affinités électives, et Vasco acquiesçait. Il ne s'aimait pas, point, il faisait l'amour, voilà tout. Et il se jurait chaque fois qu'il se voyait que c'était la dernière fois qu'il le faisait. Elle et lui se connaissaient depuis bientôt 2 mois maintenant. Et j'étais devenu le confident de l'un et le confesseur de l'autre, l'historiographe de leur amour. Car c'était bien d'amour qu'il s'agissait, des vertiges enivrants de l'amour en ses débuts. Les veilles, des jours où ils devaient se voir, leur étaient délectables par les lendemains qu'elles promettaient. Et les lendemains des jours où ils s'étaient vus par les souvenirs de la veille. Et si Vasco s'employait à rester léger, vaguement indifférent, feignant de n'éprouver pour Tina qu'un désir incertain, tout, dans l'inflexion, dans le modelé de sa voix, s'altérait quand il me parlait d'elle. Or, elle était son unique sujet de conversation, sa seule obsession, Tina, Tina, Tina. Il n'avait à la bouche que le prénom de Tina. Le ravissement a 2 acceptions. Celle d'enchantement, de plaisir vif, mais celle aussi d'enlèvement, de rapt. Et c'est précisément cela que depuis quelque temps Tina éprouvait. Le sentiment d'être enlevée à sa propre vie. Celle d'une femme qui aimait un homme, qui lui était fidèle et qu'elle allait épouser. Elle avait vu Vasco trop souvent, à des intervalles trop rapprochés. Elle était maintenant sur le point d'être foutue. C'est elle qui disait ça. « Je suis à ça », disait-elle en rapprochant son pouce de son index d'être foutue. C'était sa façon de lui dire, sans le dire, qu'elle commençait à l'aimer. Elle s'en voulait, mais moi, je crois qu'elle n'aurait pas dû s'en vouloir. On ne choisit pas de tomber amoureux, on le fait toujours malgré soi. Elle était, disait-elle, une grenade, une putain de grenade dégoupillée entre ses jambes. Il était encore temps pour lui de les prendre à son cou parce que, entre elle et lui, il n'y avait pas de lendemain. Et sans lendemain, elle explosait. Or, d'ici quelques mois, elle allait se marier. Elle aimait son mari, elle ne pouvait ni ne voulait aimer un autre homme. Il pouvait comprendre, non? Mais Vasco ne comprenait pas, il ne comprenait rien, Vasco. Il ne voyait pas qu'il y avait, dans l'exubérance, dans l'allégresse endiablée de Tina, dans cette façon qu'elle avait de se dévoiler sans pudeur, de se livrer sans réserve à qui croisait son chemin, amis intimes ou parfaits inconnus, dans l'illusion qu'elle leur donnait de tout leur donner. Il ne voyait pas qu'il y avait là un moyen de mieux leur dérober l'essentiel. Son tumulte intérieur, ses fêlures, l'insondable gouffre dans quoi s'engouffrait son immense solitude. Il ne comprenait pas qu'elle avait toujours éprouvé, à l'égard du futur, une inquiétude irrationnelle, démesurée, que sa vie lui avait toujours paru floue, instable, indécise. Et qu'en vérité, ce qu'il lui fallait, c'était un type comme Edgar, qui l'apaisait, qui la rassurait, qui lui offrait de la permanence. Un horizon sans quoi la vie n'était qu'un présent perpétuel, immobile, muré dans une angoisse immodérée. Et quand il y avait quoi que ce soit que Vasco peinait à comprendre, il allait voir Alessandra, sa coiffeuse. Une Italienne, belle comme une déesse et avec cela philosophe. Adonis pour qui la voyait, Socrate pour qui l'entendait. Il y avait une façon très simple de mesurer le moral de Vasco, à la longueur de ses cheveux. Quand il avait ce qu'il appelait un coup de mou, Vasco fréquentait le salon d'Alessandra. Voilà pourquoi les premiers jours en prison, il avait quasiment la boule à zéro. Alors il est allé voir Alessandra, il lui a parlé de Tina, et il a tout déballé, de leur rencontre imprévue jusqu'à leur rendez-vous impromptu. Il lui a dit qu'il se passait quelque chose. Quoi exactement? Il n'en était pas sûr, mais enfin, il se passait quelque chose. C'était bel et bien une histoire, cette histoire. Bon, en tout cas, l'ébauche d'une histoire dont Tina, vraisemblablement, ne voulait plus. Lei a ragione. C'est ce que lui a dit Alessandro. En vertu, du moins, de ce que j'appelle le théorème de Magritte.
Il n'y avait pas un sujet sur lequel Alessandro n'avait pas ce qu'il appelait un théorème. Et il lui expliquait qu'il y avait deux sortes de peintres. Ceux qui s'adressent à l'œil et ceux qui s'adressent à l'esprit. Les premiers peignent comme on peint et les seconds comme on pense. Magritte appartenait à la seconde catégorie. Plutôt que de copier le réel, il en révélait sa complexité. C'était, a précisé Alessandro, un peintre de la matière grise. Et parmi les tableaux de Magritte, il y en avait un qui pouvait peut-être éclairer Vasco sur son affaire. La clairvoyance, c'était le nom du tableau. Un autoportrait du peintre devant son chevalet, où on le voit qui regarde un œuf posé sur une table, en même temps qu'il peint un oiseau aux ailes déployées. Le peintre, a poursuivi Alessandro, est visionnaire, il anticipe. Et l'œuf, dans son esprit, a déjà les ailes qui lui permettent de s'envoler. Vasco ne voyait pas bien où il voulait en venir. C'est pourtant simple. Les peintres regardent l'œuf, mais voient l'oiseau. Les conséquences de l'œuf. Tina et les peintres, et l'œuf, la relation que vous avez. Et que voit-elle en les considérant cet œuf? Elle voit l'oiseau. Et l'oiseau, c'est un couple brisé, un mariage annulé. Deux gamins qu'il faut élever seuls et ne plus voir qu'une semaine sur deux. Bref, elle a raison. Vous feriez mieux de ne plus vous revoir. Elle s'était revue le soir même. Regardez-la danser quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse, sur ses gants dorés, des traces de sang, de larmes et de sueur. Et de sang, et de sang. Elle esquive les coups. La boxeuse amoureuse. Elle absorbe tout. Percute son visage, mais jamais elle ne cesse de danser, de danser. Tomber, ce n'est rien, puisqu'elle se relève, un sourire sur les lèvres. Un sourire sur les lèvres. Elle esquive les coups. La boxeuse amoureuse. Elle absorbe. La table du salon chez Edgar et Tina n'était ni marron ni verte, mais rouge. Une table rectangulaire en formica d'un rouge éclatant. Je le sais pour l'avoir vu le soir où Tina m'avait invité à dîner chez eux. Le soir où j'ai fait la rencontre d'Edgar. J'étais arrivé un peu en avance, Edgar était encore au bureau, il n'allait pas tarder, m'avait fait savoir Tina que j'avais trouvé dans la cuisine et qui finissait de préparer une fricassée de poulet flambée au cognac. Installe-toi au salon. Il y a du whisky écossais dans l'armoire, du 12 ans d'âge. Tu m'en diras des nouvelles. J'avais accroché ma veste au porte-manteau de l'entrée et puis j'étais passé au salon.
à rebours de la déco minimaliste préconisée par l'époque. Pas de murs nus ni de lignes épurées, mais du sol au plafond des centaines, des milliers de livres, qui semblaient rangés au petit bonheur, ni par genre, ni par éditeur, ni par ordre alphabétique, mais qui répondaient à l'ordonnancement subjectif que Tina appelait la cote d'amour. En haut à gauche, ce qu'elle portait au nu, c'est-à-dire des romans écrits sous une dictée impérative, dans un memento mori perpétuel, comme s'ils allaient mettre à mort leur auteur, comme si la mort allait les prendre sitôt leur manuscrit achevé. Écrit en somme, comme devraient toujours s'écrire les romans, en ayant à l'esprit qu'on ne laissera jamais que des lignes posthumes. La mort en face, voilà ce qu'elle attendait d'un écrivain. Qu'il écrive comme on rédige un testament, en regardant la mort en face. Cela était donc sur les étagères du haut, puis venaient des œuvres dont les qualités, du moins celles que Tina leur prêtait, déclinaient à mesure qu'on se déportait vers la droite, pour arriver enfin tout en bas, à l'extrême opposé de la pièce, où se trouvait ce qu'elle jugeait moyen, voire médiocre, recueil paresseux de poèmes aux vers boiteux grimés en vers libres, récits de vie larmoyants aux émotions frelatées, page-turner marketés pour toucher le public le plus large, scénario pour Netflix déguisé en roman, roman où l'écriture reléguée au second plan n'est jamais une fin, mais un moyen comme un autre de raconter une histoire, polar chargé de poncifs feel-good books qui lui donnaient surtout l'envie d'aller se jeter dans la Seine. Une petite chose insignifiante et sans enjeu. Ou enfin de merde, quoi. Voilà comment résumait Tina. Et parmi toutes ces merdes qui n'avaient leur place qu'en bas à droite, dans les abîmes de sa bibliothèque, j'étais tombé sur mon premier roman. Dédicacé avec mon amitié la plus vive. Je n'avais pas pu m'empêcher d'en faire la remarque à Tina, mais Tina ne s'était pas démontée. Mais non, mais là, c'est l'étagère réservée aux livres écrits par mes amis. Ah, j'avais dit, tu me rassures. Feignant de croire qu'elle fut l'amie d'Ernest Hemingway, dont un petit roman pesamment académique coudoyait le mien. Comme Hemingway l'aurait fait, j'avais bu mon whisky d'un seul trait. Nous étions en train de prendre l'apéritif au salon, sans Tina, toujours en cuisine. Edgar était là, il était arrivé. Sur la table en formica rouge, Tina avait laissé négligemment son téléphone, connecté via une prise jack à une enceinte qui diffusait de la musique, Somewhere, de Leonard Bernstein. Mais Bernstein s'est tu d'un seul coup. Résonnait maintenant dans la pièce une mélodie universelle, celle qu'on trouve par défaut sur les iPhones, car c'était bien l'iPhone de Tina qui sonnait, d'une sonnerie qu'amplifiait les haut-parleurs de l'enceinte comme un tocsin moderne. S'affichait en haut de l'écran, en lettres blanches sur fond noir, le prénom de Vasco. Aïe, j'ai pensé. Tina et lui se voyaient de plus en plus souvent, dans des lieux de plus en plus divers, plus seulement des halls d'immeubles ou des cafés. Fini le temps des étreintes entre deux portes. Insuffisante l'éphémère frénésie de ces heures clandestines. Il leur fallait des nuits tout entières et des éveils l'un contre l'autre dans la gloire toujours renouvelée du matin. Était venu le temps des hôtels. C'est Edgar qui a répondu. Il a dit « Allô, c'est à quel propos ?» Et moi je songeais « Mon vieux, si tu savais, c'est à propos de ta femme. Il doit la retrouver demain pour passer la nuit avec elle. » Mais Vasco, pas fou, a seulement répété « Allô, allô !» plusieurs fois, comme si soudain son téléphone ne captait plus le réseau, et il a raccroché pendant que Tina sortait de la cuisine avec la fricassée de poulet flambée au cognac. « T'as reçu un appel ?» a dit Edgar. « Pas soupçonneux pour un sou. Un certain Vasco. Mais nous avons été coupés. » Tina aurait pu se décomposer, devenir livide,
balbutier quelque chose, un commencement d'explication, craquer, fondre en larmes. Mais non, elle est restée impassible, Tina. Ah oui, c'est le type de la BNF, là. Vasco. Pasco. Il me harcèle pour que je fasse une lecture. C'est quand même gonflé de nous appeler à cette heure-ci, non? Demain, je l'appelle et je lui dis ma façon de penser. Bon, et qui veut du poulet? Elle l'avait pas volé, son Molière. Maintenant qu'il lui avait avoué son amour, Vasco se demandait si elle finirait par dévoiler le sien. Un soir, qu'ils étaient assis sur les marches d'une église, celle attenante au Panthéon, une bouteille à la main, qu'ils buvaient tour à tour au goulot, elle avait dit ce que disait Coco Chanel. « Moi, je ne bois qu'en deux occasions. Quand je suis amoureuse. Et quand je ne le suis pas. » Est-ce qu'elle l'était? Est-ce que Vasco pouvait compter sur la réciprocité de l'amour qu'il avait pour elle? Est-ce qu'elle allait lui faire l'aveu de cet amour qu'il mendiait en secret? Il lui avait posé la question. Et là, avait demandé Vasco, « Tu l'es, amoureuse ?» Elle n'avait pas répondu. Elle avait bu ce qui restait de la bouteille, et puis elle avait traîné Vasco dans une rue à l'écart, une de ces rues sombres et désertes qui favorisent les accouplements furtifs et les crimes crapuleux. Et adossée contre un mur, elle avait défait à la hâte les boutons de son jean, posé la main de Vasco entre ses cuisses, et elle l'avait sommé de la prendre comme ça, debout. « Prends-moi là », elle avait dit, avec un air de défi. Et certes, il y avait le réel, c'est-à-dire la rue, les gens qui pouvaient y passer, les apercevoir, s'en offusquer, les dénoncer. Quelque article du code pénal qui prohibait l'exhibition sexuelle en public. Il y avait donc le réel qui appelait à la prudence et commandait de ne rien faire, mais il y avait aussi le désir de Tina. Il y avait surtout, surtout le désir de Tina, avide et violent, impérieux désir auquel on ne pouvait pas si facilement se soustraire. Car Tina subordonnait le réel à son désir. Elle était folle, lui avait dit Vasco. D'être folle de toi, avait-elle répondu. Et celle-là est de moi. Et tais-toi. Et fais de moi ce que je veux. Somewhere, somewhere.
Quand il avait reçu son message, celui par lequel elle prenait congé de leur histoire, Vasco avait pensé « tant mieux ». Les souvenirs qu'il avait de Tina, pensait-il, finiraient par s'émousser. Or, chaque jour passé loin d'elle les aiguisait davantage. La nuit, dans l'espoir de les semer, il marchait dans les rues de Montmartre. Pire que son absence, il éprouvait sa présence en négatif. Elle était là, à chaque coin de rue. Il disait « J'admire la rapidité avec laquelle elle a pu renier ses audaces printanières et passer, en un claquement de doigts, de la ferveur la plus absolue à l'indifférence la plus radicale. » Il disait encore « Elle m'a aimé, follement, férocement aimé, indubitablement aimé, puis tout à coup, elle s'est détournée de moi. Elle m'a récusé, comme Rimbaud récusa ses poèmes. « J'avais tout, » disait-il. Et puis il nuançait. « Je croyais tout avoir. » Elle n'est pas venue combler un manque, elle est venue en créer un. Il disait aussi, la rupture amoureuse est pire que la mort. C'est le deuil pour soi-même d'une personne encore en vie, et que d'autres pourront voir et entendre et sentir et toucher. Il disait enfin, on se sait pourvu d'un cœur, puis vient la rupture, et l'on se sent pourvu d'un cœur. Et s'il avait pu s'entailler la poitrine et déposer son cœur en offrant à ses pieds, je crois bien qu'il l'aurait fait. Fait, mais il ne faisait rien. Il se demandait seulement comment mettre des mots là-dessus. Comment dire l'indicible émoi d'un amour impossible. Et philosophe, il concluait, c'est la vie. Et qu'est-ce que la vie, disait Vasco, si l'on y songe un instant? De petits bonheurs éphémères dominés par d'insondables chagrins. Et on n'en continue pas moins d'aller au bureau et de dire bonjour aux collègues et de rire à leurs blagues. On n'en continue pas moins de jouer la comédie du bonheur. Alors qu'en vérité, on porte un masque à même la peau. Pas tout le temps, mais la plupart du temps. Pas tous les gens, mais la plupart des gens. Un masque qui nous fait une seconde peau, rieuse et joyeuse par-dessus l'autre, défigurée par la douleur. Et le pire, ça n'était pas d'être triste, non. Le pire, c'était d'ignorer si Tina l'était aussi. Car le savoir partagé adoucit le chagrin. Or Vasco n'avait pas cette consolation, il ne savait pas ce que moi je savais. Il ignorait que Tina l'avait sans cesse à l'esprit. C'est là du moins ce qu'elle m'avait confié en me faisant jurer de n'en rien dire à Vasco. Alors je n'ai rien dit. Bon, presque rien. J'ai seulement dit, tu devrais lui écrire. Lui écrire une lettre. Нет, все не то, начну сначала. Ах, что со мной, я вся горю. Не знаю, как начать. Никогда, никогда.
Magda. La lettre, c'est Edgar qui l'a trouvée à leur retour de vacances. Parmi des prospectus publicitaires et des factures, des rappels de cotisations, des formulaires à remplir. Toutes ces merdes, disait Tina, qui ôtent à la vie son caractère aventureux, pour en faire une odyssée de paperasse. Et parmi toutes ces merdes, il y avait donc une lettre pour elle. Depuis 2 jours et demi à Stuttgart, depuis qu'elle avait remporté le Molière de la révélation féminine, 2 ou 3 fois par mois, elle recevait des lettres de gens qui l'avaient vue jouer au théâtre. « Tes admirateurs !» se rengorgeait Edgar avec une fierté sincère. Sincèrement fier qu'il était de partager la couche d'une comédienne admirée. Et c'était ça. C'était sans doute une lettre d'admirateur à telle fin de croire en la fourrant prestamment dans son sac, la main appuyée sur sa poitrine pour comprimer les battements de son cœur. Et quand plus tard, dans la salle de bain, elle s'est enfin trouvée seule, elle a décacheté l'enveloppe, elle a lu la lettre, lentement, ligne après ligne, jusqu'au post-scriptum où Vasco lui demandait seulement de lui donner, sous quelque forme que ce soit, un accusé de réception. Tina est restée là, la lettre à la main, pendant peut-être 1 minute. Et alors elle a appliqué sur ses lèvres un peu de rouge. Elle a plaqué la lettre contre le miroir et elle l'a embrassée. Elle l'a constellée de baisers avant de la remettre dans l'enveloppe, d'y passer un petit bout de langue pour la sceller de salive, puis de la cacher dans le seul endroit où elle était sûre qu'Edgar n'irait pas mettre la main. Une boîte de serviettes hygiéniques. Le lendemain, elle l'a renvoyé à son expéditeur et le surlendemain, elle a débloqué son numéro de téléphone. Elle passait la soirée avec Edgar, elle et lui dans le salon, elle allongée dans le canapé, un verre à la main, son portable dans l'autre, ses écouteurs dans les oreilles. Lui sur un tapis de sol, en position de gainage. Elle venait d'envoyer un message à Vasco. « Je t'ai renvoyé ta lettre », elle lui a écrit. Puis elle a ajouté « Tu m'énerves, tu m'écorches, je te couvre de baisers. » Et Vasco lui a répondu « Ça veut dire qu'on va se revoir ?» Tina lui a dit « L'inverse me semble insensé. Je n'imagine plus une vie sans t'avoir rencontré. » Vasco lui a dit « Ok, voyons-nous maintenant. » Et Tina lui a dit « Non, pas possible ce soir. » Vasco lui a dit « Laisse-moi au moins entendre le son de ta voix. Tu es où? Je peux t'appeler ?» Et Tina lui a dit « Chez moi, mais pas seule. Je pourrais pas te parler. » Vasco lui a dit « Je m'en fous, je t'appelle. » Ce qu'il a fait. Alors, il s'est lancé dans un soliloque enflammé. Il lui a répété avec d'infimes variations ce que déjà il avait écrit dans sa lettre. Il lui a dit qu'il avait passé le pire été de sa vie, que chaque nuit il avait rêvé d'elle, rêvé qu'il était cloué à son corps comme un crucifié sur sa croix. Et cette croix, a-t-il ajouté, il l'avait chaque jour portée dans son absence qui lui semblait intolérable. C'est ce qu'il disait Vasco et Tina, ses écouteurs dans les oreilles, à 2-3 mètres d'Edgar, en appui sur les avant-bras et les pointes des pieds. Tina, qui ne pouvait rien dire, restait muette. Elle était stoïque en apparence, mais tout en elle était tempête. Elle écoutait Vasco lui répéter qu'il n'était pas prêt à s'accommoder d'une vie sans elle, que vivre sans la voir lui semblait invivable. Vasco, qui n'entendait rien que la respiration de Tina, et qui néanmoins pouvait y percevoir comme un trouble ineffable, non dans l'inflexion de sa voix, mais dans les modulations de son souffle, et qui pour la première fois lui a dit qu'il l'aimait. 3 fois, il l'a répété. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, et il a raccroché.
Donc, il m'a expliqué qu'il avait eu des nouvelles de Tina, qu'elle lui avait enfin écrit une lettre toute simple, très sobre, dans laquelle elle disait avoir fait le choix de la raison, celui de rester avec l'homme de sa vie, avec qui, précisait-elle, elle avait décidé de construire sa vie. Elle espérait qu'il comprendrait. Elle lui souhaitait le meilleur pour la suite. Elle concluait par une formule de politesse. Bien à toi. Bien à toi, à fendre le cœur le plus dur. Et d'ailleurs, ça n'en avait pas de cœur, c'était froid, c'était sec, c'était insensible. Ça n'était pas Tina. Et pourtant, c'était bien d'elle. Ses lèvres avides, insatiables, qui avaient tant de fois vécu d'adoration sur les siennes, tant de fois les avaient dévorées, tant de fois avaient murmuré « mon amour ». Ses lèvres avaient dit ces trois mots « bien à toi ». Et sa main, sa main qu'il avait eue dans sa main, ses doigts qu'elle avait enlacés dans les siens, ses doigts avaient tenu le stylo qui avait écrit « Bien à toi ». Il avait lu « Bien à toi » et il avait su qu'il n'allait plus la revoir. Il en avait eu le cœur net et brisé. Ce « Bien à toi » l'avait tué. Au fond de lui, il était déjà mort. Alors il n'avait plus qu'à se foutre en l'air au plus vite. Mourir, mais d'abord lui laisser la culpabilité de sa mort. Répondre à sa lettre par une lettre d'adieu. Et comme il n'avait pas de feuille blanche, il a pris ce qu'il avait sous la main, un cahier d'écolier encore vierge. Comme il y avait trop à dire et que le temps lui manquait, il a pensé lui écrire quelques vers, 2, 3, 4, 1, qui annonceraient la couleur. Un demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je m'ouvrirai les veines. Ce qu'il a fait. Il a écrit le poème que nous avons sous les yeux, dont nous avons le premier jet sous les yeux, le brouillon, qu'ensuite il a mis au propre, sur une autre feuille, qu'il a détachée avant de la glisser dans une enveloppe, d'y écrire le nom de Tina et d'aller la poster au bon soin du producteur de sa pièce. Et après ça, il est rentré chez lui, il a fait couler un bain, il a pris des cachets, et il a joué du rasoir sur sa peau. Il aurait pu se tirer une balle dans le cœur, mais non, trop peur de se rater. Enfin, c'est ce qu'il a prétendu après coup. Enfin, vous voulez mon avis? Je crois qu'en vérité, c'est de se réussir qu'il avait peur. Je crois qu'en vérité, tout ça n'était que du bluff, un appel, une dernière sommation adressée à Tina. En feignant d'y renoncer pour de bon, il gardait au fond de lui l'infime espoir qu'elle reviendrait. Je ne le reconnaissais pas. J'avais l'impression de ne pas le connaître. Est-ce qu'on connaît vraiment jamais ses amis? Parfois, on ne se comprend plus. On avance à l'aveugle. On se heurte à des murs. Jusqu'au jour où l'on finit par se dire mutuellement ce qu'on a sur le cœur. Comme on craque une allumette dans la nuit. Pas pour y voir plus clair, mais pour mesurer la part de ténèbres que chacun porte en soi. Quelques jours plus tard, nous voilà donc au café où j'essayais de le réconforter. Pas en lui débitant les fadaises habituelles, non, en m'efforçant d'être honnête avec lui, en lui disant qu'il n'était pas au bout de ses peines, qu'il n'avait pas fini de penser à Tina, qu'il lui faudrait apprendre à s'en déprendre, qu'il l'aurait encore longtemps à l'esprit, au premier plan d'abord, mais qu'elle serait reléguée petit à petit, au fil des mois, en arrière-plan de sa conscience, comme un écran de veille auquel il prêterait de moins en moins attention. Le désir deviendrait un souvenir. L'idée de Tina lui passerait encore par la tête,
une pensée fugitive, imprécise et qui bientôt disparaîtrait. Et comme un matin, au sortir de l'hiver, arrive le printemps, arriverait cette chose insensée. Il aurait cessé de l'aimer. Ricordi sbocciavan le viole con le nostre parole non ci lasceremo mai, mai e poi mai. Tu verras, mon amour viendra le jour funeste où l'amour, mon amour, cet amour un peu fou, qui mérite à lui seul une chanson de geste, laissera, mon amour, un grand vide entre nous. Et nous qui nous aimons d'amour comme l'attestent tes lèvres à présent dans le creux de mon cou, nous nous fuirons l'un l'autre comme on fuit la peste, nous qui l'un pour l'autre avions une fin de loup. Tu feras à mon nom une moue manifeste, j'aurai dans la bouche comme un arrière-goût en prononçant le tien amer et indigeste, et serai parcouru d'un frisson de dégoût. Qui peut-on, mon amour, si l'esprit se déleste, des plus beaux souvenirs quand l'amour se dissout? Car l'amour, mon amour, est comme un palimpseste, on écrit là-dessus, puis on efface tout. Massage.